On va dans PS2? Ouais. Ok. Moi, c'est Rush 5 fois, on a gagné ensemble. Ouais. C'est une victoire commune entre les deux joueurs qui ont fait Rush sans arrêt. Fait que c'est 1-1? Fait que c'est 1-1 si vous avez gagné toutes les deux? Bowser. Bowser. Ah, je vais essayer de commenter ça. Désolé, gars, ce soir, je suis pas très très bon dans le commentary. Bon, les deux joueurs qui ne prennent pas le jeu au sérieux, fait que je prendrai pas mon commentary au sérieux. Ben, ils mettent le score à jour. Je viens de mettre les soirs à Joe puis je suis back. Mais pas si longtemps, je passais à la salle de bain. Pourquoi je vais attendre la fin du premier match? Et voilà, dans Smash, W qui prévoit un stock, 63% contre 0. Début avec un air, suivi d'un back air. Beau combo de W. S20, on trade les 4 air. S20 qui peut se permettre plusieurs trades de genre parce qu'il y a l'avantage du center stage. Là, on a pu voir qu'il a attaqué sa plateforme et on a attaqué, on n'a pas utilisé ça et voilà. Aizen qui est très 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 bon pour couvrir plusieurs options qui sont forward air offstage. Sur cet angle, il va chier pratiquement toutes ses kills de cette manière. On va y mettre le score un jour. De retour. Les deux cherchent un peu l'aerial. S20 qui a l'avantage d'un stock complet. J'ai besoin de suivre le match, désolé. W, Flying Slam. On est égal côté stock, mais 85% du côté de W. Mais W qui devrait. Bazook qui vit assez longtemps, fait que je n'ai absolument rien dit. Oh, on manque l'attaque là-dessus. Neutral Get Up Shield. Flying Slam. On n'a aucun rage côté des S20, fait que ça va pas chercher les kills tout de suite. On fait 2-3 titres d'attaque for l'air. Non, pas encore. W qui a complètement rage de son côté. En plus, on en rajoute du rage encore à 171. Back air, non. On down air. C'est son chef attaque et voilà. Mother dodge du côté de W. S20 qui prend le premier match. Ça fait FD. Ben voilà, on va sur le même stage. Je pense qu'on a décidé de juste friendly sur ce stage. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Thank you.
Je check les affaires des Ultimo Gang, on va pas le faire. Bound, non match, groupe, non round, bound, groupe. Et voilà, le score est de retour. Désolé encore pour le délai. Shuriken qui a Shield Poke. Désolé, là visuellement ça fait du sens. Qu'est-ce que tu veux? Il cherche le volet for there. On essaie de drop down, un peu mix-up. Ace Bank qui a encore l'avantage d'un stock. Désolé, gang, j'étais comme trop préoccupé par le score qu'on voyait pas. Là, je suis de retour au commentary du match. Down air, nope. W doit chercher le kill. Voilà, 47. Fait que ce match est le plus serré, on rappelle que le dernier coup c'était genre 80 à 0 au quatrième moment du dernier stock. Les gens qui étaient très agressifs là-dessus. My god, le duel de B qui mène à nulle part. Les deux un dodge au moment. Quel junk city! Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le grab du côté de W, on le trouve pas. On a trouvé le grab finalement à back air, ça tuera jamais à ce pourcentage-là, ça c'est sûr. On a des bœufs de backer dans Flying Slam. Hein? On est très égal côté pourcentage. Est-ce que SM va chercher le deuxième match? Oh boy, dodge S20! Qu'est-ce qui va se passer? Ah! On read le down air avec la smash. 2-0 S20. T'as un match de pouvoir aller à Winner's Final. Hein? Là, qui refuse d'aller affronter Vrasco tout de suite, ça a l'air. Ouais, tu joues tout de suite, man. Ok. Alors, teabag. Le disrespect d'S20. Avantage 2-0 au décès de teabag. Oh, shield break. J'ai manqué shield break. J'aime bien S20 qui a abandonné son machine à moitié. Comme fait, il a vu que c'est une cause perdante. J'ai déjà gardé mon énergie pour me refocuser après, mais W qui a un message assez clair au début de match avec un stock complet d'avance, même pas 30, ben, dans une trentaine de secondes de jouer. Zeng va beaucoup utiliser le dernier. Demi-Shun. Demi-Shun qui est encore vivant. Voilà. C'est bon, c'est tout à l'heure, c'est ma job de danger quelqu'un. Mais ça va être DN qui est descendu dans les losers, qui a fait. Et voilà, on est prêt. Un stock d'avantage pour W complet. Désolé si je manque des fois des bouts de match, mais maintenant voir quelqu'un au desk. Ce qui veut dire que je vais pouvoir être avec, présent avec vous, avec ma voix douce sans arrêt. Flying Slam, on se dit. Je pense pas que on débat si Bowser peut survivre à ça, honnêtement, je serais surpris. On retourne sur PS2. En fait, je pense que les deux ont juste dit on reste sur PS2 le restant de nos jours. On se fait une petite tente et on habite là. Puis on grandit notre famille. T'as vu sa face? Et voilà, on est prêt pour le match. Je vais essayer de regarder pendant que la salle de bain.
Je suis back. Et voilà, on est de retour. Est-ce qu'il n'y a pas un grand avantage à mettre? W qui est en train de remonter le tout côté stock. Et voilà le show. W 2-2. Match ultime à venir. Ne banne pas PS2. Est-ce qu'on retourne donc sur PS2? Et on est prêt pour le match ultime. Sinon, 11 minutes de fête, ça, pour un best of 5, c'est pas été très long. Est-ce que le dernier match va être plus patient quand les 5 joueurs, je serais assez surpris, surtout quand c'est en W. Ouais, il y a beaucoup d'obstacles ce soir. Kendo qui vient de gagner contre Saint-Gela. Sills en arrière qui est en train de juste mettre du saltiness dans la pièce. Il a checké la bracket. Et voilà pour un stock pris par W. Il va se dire back air. Oh, flamethrower. Fait que W qui vient prendre le stock. Voilà pour. On ne même pas encore. Oh non! Pas grave, le fear qui était installé avec le forward smash éliminé W. That's how you do it, flying slam. W qui a encore l'avantage, 80% côté stock. On jump, on quand même plus encore. On essaye juste de mix up pour le LOL. Oh, down. Oh, bon spot dodge. Non, flying slam encore. W qui a essayé juste à intimider l'adversaire avec ses jumps, qui fait shaker l'écran. What, le forward air poigné en arrière de même. Une chance que shield. Hein. C'était weird. Hein. Back air, on a bien lu le roll. On a pratiquement pas roll du début du match sur l'edge, mais là on l'a fait une fois et c'est la mort. 15-15% à chaque côté, la différence avec W, un stock d'avantage. De Bulu qui est sur le bord de faire un reverse 3-7. Le reverse sweep, je veux dire. Oh oh! On essaie de contre-attaquer avec le down aussi. Et oh! Viens! Flank slam! What? C'était weird visuellement, mais on a pas la plateforme du haut qu'on l'a faite. Hein. Flying Slam encore, là je pense que c'est terminé. Moi je Et voilà, victoire de W. 3-2 W. 3-2 W. 3-2 W. Oh my God. Oh, man.